Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pendant ce temps un petit peu compliqué et que vous réussissez à faire le maximum de vos journées en cette période de confinement. Moi, je viens vous proposer une vidéo pour agrémenter un petit peu vos journées avec quelques idées d'exercices que vous connaissez probablement déjà puisqu'on les a sûrement déjà fait ensemble. Donc les formes de travail, là on va travailler essentiellement le bas du corps. Et les formes de travail, c'est ce que vous connaissez déjà, à savoir Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Et on fait ça 8 fois, donc 8 exercices. Et on essaye de le répéter un minimum de 4 fois. 4 fois, 6 fois, c'est pas mal aussi. Je vais vous proposer donc des exercices bas du corps. J'essaierai de vous proposer également des alternatives plus faciles, plus compliquées. Donc n'hésitez pas à choisir la version qui vous convient le mieux. Je recule un petit peu. Premier exercice, position squat. Pieds écartés, largeur du bassin, dos droit, épaules vers l'arrière. Et on descend, on remonte, on descend, on remonte. Si on veut complexifier un peu, je me mets de profil comme ça, on voit un petit peu mieux. Je fléchis et impulsion pour complexifier. Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on part en fente arrière. Épaules basses, dos droit, bassin vers l'avant. Et je descends en fente à droite. Puis à gauche, encore une fois, pendant 20 secondes. Pour complexifier, on fait la même chose en rajoutant une impulsion. Je fléchis et je remonte. Je fléchis, je remonte. Troisième exercice. On part toujours en squat, vu qu'on est pour le bas du corps. On travaille le bas du corps. Je pars d'un côté, je reviens. Je pars de l'autre côté, je reviens. Et j'enchaîne droite-gauche. Je veille à bien descendre le bassin et j'enchaîne un petit peu plus rapidement. Moi, je vous montre pour que vous ayez l'exemple, mais vous, l'idée, c'est quand même d'enchaîner un petit peu plus vite. Quatrième exercice, si je ne me trompe pas. Facile, vous connaissez, je m'éloigne encore. La chaise. Donc, la chaise, on descend, on est statique. Dos le long du mur, épaules basses, tête contre le mur. Bras le long du mur, on ne se met pas vers l'avant. Pour que ce soit plus simple, et si vous voulez complexifier, vous pouvez soulever un pied de quelques centimètres, ce sera aussi très bien. Cinquième exercice, si je ne me trompe pas, on fléchit, je mets le profil, on fléchit la jambe, épaule vers l'arrière, on aligne, on cherche loin vers l'arrière avec le pied et genou. Et je reste en bas, je ne suis pas en train de monter et descendre, je reste en bas et genou pendant 20 secondes. Ensuite, les 20 secondes suivantes, on change de côté. Et pareil, 20 secondes. Alors, j'adapte l'intensité, bien sûr, à mon niveau de forme. L'idée, c'est étant de s'améliorer au fur et à mesure. Et le dernier exercice, squat sauté. Je fléchis, je monte. Je fléchis, je monte. C'est le dernier. Il me semble que je ne me suis pas trompée dans le comptage. Si ça, c'est un petit peu compliqué, vous avez la possibilité de descendre en squat ou alors simplement jumping jack, un petit peu de cardio. Voilà. Écoutez, j'espère que c'est... quelques exercices vous motiveront et vous donneront des idées. Donc, on va faire ça pour d'autres groupes musculaires les prochaines fois. Et là, j'ai ma fille qui me rejoint. Donc, je vais terminer la vidéo. Je vous souhaite encore plein de courage. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.